Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel numéro du 5 consacré au mois de mai 2021. Et oui, je suis encore à jour. Je t'entends très bas. Tu entends mieux comme ça ? Ouais. Alors, autant vous dire que ce numéro, il sera un peu plus court, pour la simple raison que, globalement, par rapport à celui que j'avais fait du mois précédent, donc le premier, il y a un peu moins de choses à raconter. Voilà, il y a un peu moins de changements qui vont arriver sur ce mois-ci. Alors, globalement, par rapport à ce que j'avais dit à l'ancien numéro, la plupart des choses que j'ai voulu mettre en place, j'ai réussi à les mettre en place, tout simplement. Déjà, vous pouvez le voir, le fond vert, il est là. Si vous suivez le live, vous avez pu voir qu'il y a eu des... c'était pas facile. Voilà, tout simplement pour la raison que j'ai eu du retard, voilà, sur ce live et de ce fond vert. Il y a des choses à mettre encore en place, des petites mises au point, mais vous allez voir, ça va se faire au fur et à mesure. C'est dans le coin là-bas. Comme vous êtes tous des saliques, et je le sais... Il y a un assassin qui vient vers nous, c'est bon. Je vous propose un petit jeu à tous. Une prédiction, un pari. Vous ne savez pas quoi faire de vos points de chaîne ? Pariez vos points de chaîne. Si oui ou non, on va gagner. Alors, les points les plus importants que je voulais voir avec vous, déjà, l'un des premiers, tout simplement le fait que les modos, pour ceux qui sont restés à la fin de l'épisode, il y a des modos qui sont sur la chaîne maintenant. Donc, ils sont sur la chaîne Twitch, ils sont sur Discord, et puis d'ailleurs, il y a moyen qu'ils soient aussi sur YouTube. Pour l'instant, il n'y a pas besoin, et c'est possible que par la suite, ce soit eux. Donc, les modos sont là, ce sont Starkiller, Starkiki, donc, et Marlo, qui sont les modos actuels, qui se sont portés volontaires, bien sûr. Tout le monde a le droit de... Enfin, tout le monde a le droit. Tout le monde peut me demander d'être modo, c'est pas un souci. Et après, c'est à voir et en discuter. Voilà, si vous voulez toujours être modo, parlez en bas, y a pas de soucis. Oh merde, ça commence. Je suis en vie ? Ah non. Ah si. Ah non. Raté. En termes de changements aussi que je veux apporter et que j'ai apporté, donc déjà il y a eu le planning. Le planning a un format un petit peu particulier, je vous en avais parlé un petit peu, il me semble. Tout simplement pour le fait que le planning, actuellement, c'est très compliqué pour moi de me dire non, jusque-là, je l'avais tenu le planning, et là, je vais devoir revisiter autrement, étant donné que, pour ceux qui me suivent, je viens d'avoir un second boulot. Donc, je suis en train de cumuler deux travail, plus les streams, plus le montage. Waouh, c'est super dur physiquement. Voilà, je vous le dis, c'est vachement dur physiquement. Donc, je tiens le rythme comme je peux. Déjà, actuellement, ça va pas être possible de faire vraiment des lives en journée. J'aimais bien en faire. Je pense que le dimanche après-midi, je vais essayer d'en caler quelques-uns, mais ça va être un petit peu compliqué. Peut-être en fin de journée, entre mes deux boulots, mais bon, ce sera plus du coup en fin de journée qu'il reste d'en avoir, ou le dimanche. Donc on fait le point tous les lundis soirs sur le jeu Alien, hein, avant de démarrer le live. Je fais le point avec vous pour essayer de vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans la semaine. Voilà, n'hésitez pas à checker ces sessions-là. Twitter, vous pouvez venir dessus, Twitter est là, je vous en parle, vous avez les notifications des lives. Et sur le Discord, vous avez aussi le planning. Oh, ouais. Autre point que je voulais parler avec vous, je compte là reprendre un gros rythme pour les... Enfin, gros rythme. Je compte reprendre un rythme plutôt, parce que je sais pas comment je vais pouvoir le doser. Je compte reprendre un rythme, en fait, tout simplement pour le montage des vidéos. Pas comment je vais m'organiser tout ça, parce que je vous le dis, c'est que j'ai pas beaucoup de temps déjà pour moi. Hein. Niveau temps, c'est faux, c'est très faux. Globalement, ce que je voulais mettre au point, donc ce mois-ci, en termes de nouveautés, j'aimerais apporter plus de vidéos. Pour être honnête, j'ai environ 15 VOD, où je sais d'office que je veux faire une vidéo dessus.
J'ai peut-être à peu près 50-60 heures de VOD que je peux transformer en vidéo YouTube. Le problème, c'est que ça demande beaucoup de temps. Donc, je vais essayer de caler des moments pour travailler un petit peu sur les montages. Au max, il y aura une vidéo par semaine. Voilà, ça me permettrait tout simplement, c'est pas que je peux en faire plus, c'est que si jamais j'en fais plus et qu'il y a des moments où je peux plus en faire, j'ai plus de contenu de réserve. Alors que si j'en fais plusieurs, si j'en fais par exemple, je sais pas, deux dans une semaine, il y en aura une. Et l'autre, je la mettrai en timing et elle sortira plus tard pour essayer de justement me permettre de gagner un petit peu dans le jeu, de gestion et de gérer un peu cet emploi du temps qui... épuisant. Je sais pas combien de temps je vais tenir, mais... je vais me débrouiller. Je croyais que c'était toi l'autre. Zena la guerrière ! Dégage ! Dégage ! Dégage ! What ? Et tu meurs ou pas ? Ouais, c'est nul le couteau. Donc voilà, est-ce que j'ai plus de choses à vous dire ? Autre chose que je voulais vous parler. Maintenant que le fond vert est là, visuellement, il y a peut-être encore 2-3 trucs à acheter. J'ai encore peut-être encore quelque chose à 2-3 trucs à acheter pour vraiment améliorer la qualité visuelle. Mais là maintenant, normalement, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas avec le Twitch et je vais les contacter. Mais je vais essayer tout simplement de récupérer mes sous. Parce que avec tous les abonnements que vous m'avez offert là ces derniers jours, ce mois-ci, autant vous dire que normalement je devrais avoir assez pour m'acheter un Stream Deck. Ça va me permettre d'apporter une amélioration au niveau point de vue réalisé. Ça va me permettre d'apporter une réalisation. Ça va me permettre d'apporter une amélioration sur le point de vue réalisation. Un Stream Deck, je peux faire beaucoup de choses avec. Ça va être un plus. Et après le Stream Deck, je vais encore donc, réconomiser l'argent que. Et cet argent-là, c'est pas compliqué. Il va me servir en fait pour refaire mon système audio des lives. Je vais mettre une partie de ma poche aussi dedans, comme je compte faire déjà pour le Stream Deck et pour le reste du matos que je fais avec. Hein. Mais voilà, ça va être. Je vais faire une grosse modification sur le point de vue audio du live, pour améliorer tout l'audio concernant le live et aussi les vidéos. Voilà. Ça arrivera. Je sais pas combien de temps ça va prendre avant de se mettre en place, mais ça prendra le temps qu'il faut. Et il y aura un moment, j'espère d'ici la fin de l'année, c'est un objectif sur un assez long terme, mais j'espère que d'ici la fin de l'année, ce sera en place. Voilà. Est-ce que j'ai encore des choses à dire ? Je crois que je vous ai tout dit. J'en ai bientôt fini. Hein. Je vais tous vous fumer la tronche avec une bombe. Bam. J'en ai fini dans 2 secondes. Fini. J'arrive. Alors, faille. Pas lui faire du bien. Il y a combien de personnes qui viennent sur ma tronche ? Presque. Encore un truc que je veux vous dire, mais je sais pas c'est quoi. On essaie de se charger du boss. Il dit vite au secours, au secours. Oh, mais la sauvée Carlien. Merde. Non, ma copine, reviens. Ouch. Non. Oh, je t'ai sauvé. Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe beaucoup de choses, hein. Ouais, il y a un peu trop d'informations, là. Ça me rappelle le début de la partie où il y avait beaucoup de personnes. Oh, mais tu vas me lâcher, toi. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est la meilleure façon de le faire. Parlez de la chaîne autour de vous, partagez des liens. Bon, les vidéos, j'avoue que... no comment. Mais les vidéos vont arriver, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, donc n'hésitez pas à les partager quand elles seront là. Et puis quand je suis en live, si vous voulez, vous pouvez inviter... les gens à venir voir le live aussi.
Il s'est passé quoi là? Attends. Sur ce, je vous ai tout dit. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui voient ce numéro avant la fin du week-end. Sinon, de beaux jours, un bon mois et on refait un point au 5 prochain. Salut, portez-vous bien.